Oh my god les amis, c'est un truc de malade. Adopt.me ont sorti une nouvelle mise à jour. Juste majestueux, extraordinaire, tout ce que vous voulez. Mais c'est juste un truc de ouf. Donc avant de commencer cette vidéo les amis, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager cette vidéo à vos amis si vous voulez tout simplement. Et nous on commence cette vidéo, c'est parti. Donc les amis, c'est parti, nous allons nous téléporter directement à l'espace cadeau au centre-ville d'Adopt.me directement, ça va plus vite. Parce que tout ce que je vous dis depuis le début de la vidéo se passe au centre-ville d'Adopt.me. Donc c'est parti, on y va tout de suite les amis. Et désolé si vous voyez quelques ralentissements sur la vidéo, je suis vraiment désolé. Donc oui, j'ai déjà visité, été voir cette nouvelle mise à jour avant de faire cette vidéo les amis, tout à l'heure tout simplement. Et j'ai acheté déjà un rocher. Donc le rocher se présente comme ça, c'est un commun. Donc vous allez avoir plus de facilité pour faire un néon avec. Donc ça coûte 350 dollars. Donc c'est raisonnable, 350$ pour ce pet. Moi je vais en prendre 4 de plus pour faire un néon et avoir un rocher en plus pour en avoir un normal tout simplement. Et puis c'est pas cher du tout parce que souvenez-vous les amis, les anciens 1er avril tous les ans, et on avait le 1er avril avec des faux pets en papier ou en rocher. D'ailleurs les rochers, j'avais déjà vu ça à une ancienne mise à jour du 1er avril sur Adopt.me, mais il l'avait enlevé alors que là nous sommes le 4 et il est toujours disponible. Donc je pense qu'il faut se dépêcher les amis pour essayer de l'obtenir. Moi en tout cas je vais faire un néon. D'ailleurs je vais vous faire voir à quoi ça ressemble en néon les amis. Donc c'est parti, c'est pas ici, c'est dans le journal. Donc ici, en plus c'est un commun. Donc c'est super. Donc il se présente comme ça. Et en néon il est tout rose. Il est juste trop beau les amis. Il se présente comme ça. Et en méga néon il est juste, oh my god, il est juste magnifique. Mais en rose, j'aime bien aussi en rose. Donc je vais le faire. Donc c'est pour ça que les amis, je vous dis que je vais acheter 4 pets rock, qui veut dire rocher en français tout simplement, parce que c'est anglais. Donc voilà les amis. Donc je vais faire un néon avec. Donc ça va être juste trop beau les amis. Donc voilà. Donc aussi les amis, comme vous pouvez le voir, ils ont fait une nouvelle mise à jour. Juste, oh my god les amis, maintenant vous pouvez transformer votre pet en tenue un peu robotique. Donc vous pouvez installer, enfin mettre une tenue en mode robot sur votre pet. Et c'est juste trop beau. Mais le seul problème les amis, c'est que c'est payant. C'est combien? C'est 850 Robux les amis. Franchement c'est pas donné. Juste pour ça c'est vraiment pas donné. Mais c'est parce que les amis, c'est une nouveauté sur Adopt.me. Donc les créateurs d'Adopt.me ont voulu mettre un certain prix pour récupérer tout simplement un maximum de Robux, bien sûr. Ça me paraît logique. Donc voilà. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, c'était une petite vidéo rapide les amis. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de mettre votre plus gros pouce bleu en bas de cette vidéo et de vous abonner, c'est très important. Et de partager cette vidéo à tes amis si tu le souhaites derrière cette vidéo. Et nous on se dit à une prochaine vidéo, c'était Davy, ciao.